Bonjour tout le monde, c'est Maud. On se retrouve comme tous les dimanches pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Mère morte de Aurélie Wallenstein, paru chez Scrineo. Ensuite, je vous parlerai du troisième tome de Cherub. Ce troisième tome, c'est Arizona Max de Robert Muchamore, paru chez Casterman. On terminera une saga avec Autre Monde de Maxime Chatham, le tome 7 Genèse, paru aux éditions Albin Michel. Et enfin, je finirai avec Quelque chose du Mexique de Morgane Desbrosses, paru chez Nanika. Allez, on commence tout de suite avec cette parution au 14 mars, donc c'est tout neuf, c'est tout récent, il est paru jeudi. Et j'ai eu la chance de le recevoir avant tout le monde, grâce à Scrineo et à son club de lecteurs dont je fais partie cette année. Et c'est un livre que vous avez dû voir beaucoup, beaucoup tourner, puisqu'il était énormément attendu. Personnellement, j'ai eu un beau coup de cœur avec Le Duo Oiseau, donc je n'attendais que de lire ce livre. Je l'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax et Pikiti Bookin. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude, pour aller voir leurs chroniques ou leurs vidéos, etc. J'ai passé un super moment avec cette lecture. Une semaine encore après, je suis hantée par certaines scènes. Alors, le résumé de ce livre. Nous sommes dans un monde, dans notre futur, hein, si vous voulez, les océans, les mers, les lacs, toute l'eau a disparu de la planète Terre. Et les hommes vivent retranchés dans des bastions. Ils se sont regroupés pour survivre à cause de cette pénurie d'eau, puisqu'il ne pleut plus non plus, donc il faut qu'ils survivent. Ils se sont rassemblés dans des bastions, mais si encore il n'y avait que l'eau qui avait disparu, il faudrait gérer ça. Mais il y a bien d'autres choses, puisque la mer, les animaux marins se vengent et reviennent hanter les vivants sous la forme de marées fantômes. Donc plusieurs fois, les eaux se lèvent de manière fantôme et les animaux marins reviennent pour voler l'âme des humains, pour se venger de tout ce que les humains leur ont fait. Et il existe des exorcistes, donc nous allons suivre Oural qui est un exorciste. Il a ce don de pouvoir repousser les fantômes, les spectres, de pouvoir les annihiler, de les faire disparaître et donc de protéger toute la population qui vit au sein de son bastion. Donc il a une vie à peu près tranquille, hein. Lui il est paisible, il est peinard, puisque les exorcistes sont particulièrement choyés, puisque c'est d'eux que viennent la survie de toute la population. C'est un petit peu les rois dans leur bastion, et Oural ne fait pas exception. Lui il est pas mal, il est tranquille, il doit juste combattre les marées, mais bon c'est un petit peu son quotidien, donc il a l'habitude. Mais la particularité d'Oural, c'est qu'il s'est pris d'affection et inversement pour une dauphine, donc un spectre dauphin qui à chaque marée haute vient l'aider à repousser aussi les fantômes. Oural va voir son monde complètement bouleversé lorsque va apparaître Bengal. Bengal, c'est le capitaine d'un curieux vaisseau qui se promène sur les marées fantôme, et ce vaisseau est aussi fantôme que les marées, et il va venir dans son bastion et va demander l'exorciste et il va l'emmener. Et on va apprendre plus tard que Bengal a une mission, et sa mission ça va être de faire revenir les océans. Voilà, vous avez sûrement l'impression que je vous en ai dit énormément sur ce livre, pourtant ça se passe vraiment dans les toutes premières pages. Donc vous allez voir que ce livre est bien plus complexe que tout ce résumé qui est pourtant assez développé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, on a vraiment, vraiment, vraiment énormément. C'est ça qui m'a le plus interpellée dans ce livre, c'est qu'on a une dimension complètement écologique. Puisque nous allons suivre ces animaux marins au travers de cauchemars d'Oural, il va revoir un petit peu ce qu'on leur fait subir. Il va revivre avec ses cauchemars, eh bien, toute la pêche intensive, toute la pollution avec les sacs plastiques qui endommagent la faune, toutes ces marées noires
qu'on inflige à la planète, les parcs aquatiques, enfin bref, toutes ces choses qui sont une aberration pour le règne animal et qu'on inflige à ces pauvres animaux. Bref, si vous êtes réceptif à la cause animale, si vous lisez ce livre, vous risquez d'avoir mal au cœur, vous risquez de vous sentir pas bien parce que les scènes sont parfois très très dures. Et j'ai encore en tête ces images et je peux vous assurer qu'elles resteront gravées en moi. Et j'ai beau le savoir qu'il se passe tout ça, le vivre et être à la place de l'animal, et ben je peux vous dire que ça vous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et c'est juste affreux. Donc voilà, il y a cet aspect du livre qui est génialissime, vraiment, qui fait vraiment prendre conscience, qui est beau, un beau message. Il faut s'inquiéter pour la planète, c'est maintenant qu'il faut s'inquiéter, c'est pas plus tard. Après, ce sera trop tard. C'est un petit peu le message de ce livre. Après, concernant l'histoire de Oural et Bengale, j'ai eu un petit souci parce que je n'arrivais pas vraiment à appréhender les personnages. Bengale, si vous voulez, tout le monde le voit comme un messie, comme quelqu'un de... Son équipage l'idolâtre. Il a un charisme de fou et moi... Et ben quand je lisais ces pages, je le voyais pas comme ça, je le voyais très sombre, très renfermé, très casanier, très violent. J'avais un peu de mal à identifier en fait ce qu'on me disait de lui et ce que je ressentais pour lui. Il y avait un décalage. En plus, la relation entre Oural et Bengale est assez étrange. Très étrange. Du côté d'Oural, je comprenais un petit peu cette fascination parce que tout le monde le ressentait par rapport à Bengale. Mais du côté de Bengale, j'arrivais pas vraiment à comprendre pourquoi il était autant attiré par Oural. Bref, voilà, j'ai eu un petit souci par rapport à ces personnages. L'histoire en elle-même, on assiste à des vagues successives de marées fantômes qui reviennent tout le temps. Au bout d'un moment, je me suis dit, ça va vite être redondant. Parce que moi, je m'attendais à des marées fantômes, mais pas... à plusieurs marées fantômes en très peu de temps. Et finalement, l'auteur arrive à faire quelque chose de prodigieux, c'est que à chaque marée fantôme, elle arrive à se renouveler, à nous proposer quelque chose de nouveau. Donc ça, c'était vachement bien foutu, j'ai beaucoup aimé. En règle générale, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman pour tout ça. Et en fait, le seul bémol, ça a été la relation entre Oural et Bengale que je n'ai pas forcément compris. Mais sinon, c'est un très bon livre, pas du tout manichéen, parce qu'on a l'impression au début que voilà, les animaux c'est les méchants, parce que c'est les fantômes qui viennent manger l'âme des humains et que les humains c'est des gentils. Sauf que non, les humains, ils sont pas pour rien hein, dans ce problème. C'est eux à la base qui ont détruit la planète. Bref, voilà, c'est tout en nuances, c'était très bien foutu. Et voilà, vous ne pouvez pas rester insensible à ce livre, je vous assure, c'est impossible. On continue avec Cherub, le tome 3 que je lis en lecture commune avec Christelle. Tous les 10 du mois, nous faisons cette lecture, puisque il doit y avoir 18 ou 20 tomes à cette saga, donc on a le temps, hein. Autant continuer. Nous continuons à suivre James, qui fait partie de l'organisation Cherub, qui emploie uniquement des enfants de 10 à 17 ans, quelque chose comme ça. Ils en font des espions, ils sont formés, etc. et envoyés sur le terrain pour des missions particulières. Cette fois-ci, dans ce tome 3, James part en mission par rapport à un trafiquant d'armes. Le fils d'un trafiquant d'armes est retenu dans une prison de haute sécurité pour mineurs, mais il n'est pas considéré comme un mineur. C'est vraiment une prison presque pour adultes. Donc James va intégrer cette prison pour faire ami-ami avec ce jeune homme qui est le fils d'une grande trafiquante d'armes, et son objectif va être de le faire évader pour qu'il le conduise directement à sa mère. Voilà, c'est un petit peu un schéma classique quand on connaît un petit peu les romans d'espionnage. J'ai beaucoup aimé ce tome, j'y ai pas retrouvé ce qui m'avait choqué, ce qui m'avait dérangé dans le tome 2, à savoir toutes ces images sexistes et homophobes de la part de James. James est beaucoup moins tête à claque dans ce tome-ci. Enfin, c'est bien. Je me dis qu'en fait, il est tout seul dans une situation très compliquée et finalement, eh ben, il a plus de plomb dans la cervelle que quand il est en groupe et qu'il y a des filles qui se baladent autour ou... Vous voyez, l'effet de groupe, quoi, qui le rend stupide.
Bah là, il était tout seul et je trouve que ça lui a réussi totalement. En fait, il fait duo avec sa sœur qui a 10 ans, donc lui il a 13 ans, elle a 10 ans. Et je trouve que ce duo match énormément. Je trouve que Lauren et James sont parfaits et j'espère les retrouver dans un autre tome, rien que tous les deux, parce que ça marche énormément et Lauren est géniale. Franchement, elle est géniale. Pour 10 ans, elle a une maturité de fou, elle prend des décisions, elle est réactive. J'adore, j'adore. J'adore. Lauren, c'est un petit peu mon héroïne. Donc voilà, c'était un très bon tome. Je suis très contente parce que le second tome m'avait un peu refroidie. Mais je vais repartir confiante pour la suite de la saga. J'ai fini une saga. Autre monde. Si vous voulez, comment vous expliquer l'amour que j'ai pour cette saga? Je l'ai commencé, il doit y avoir 10 ans. Puisque le premier tome est sorti il y a 11 ans. Et j'ai commencé cette saga quasiment tout au début et 10 ans de ma vie, j'ai suivi Autre Monde. C'est un petit peu mon Harry Potter et je l'ai terminé. C'est y est, c'est fini. Je l'ai terminé et si vous avez vu ma story Instagram, vous avez vu que j'étais en larmes. J'étais en larmes. C'est pas la fin qui m'a rendue triste. Ou joyeuse ou quoi, c'est tout simplement parce que c'était fini. Matt, Tobias, Ambre, l'Alliance des Trois, bah c'est fini. J'ai la conclusion et c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Bérangère, de lecture en B. Alors elle m'a un peu laissé tomber vers la fin, je ne sais même pas si elle l'a fini au final. C'est une période un peu compliquée pour elle, donc il n'y a pas de souci, je l'excuse. Je l'ai terminée toute seule et j'ai pas pu lui en parler. Et bah, j'espère qu'elle me fera un retour quand même quand elle l'aura fini, parce que j'aimerais en parler avec elle. C'est une page qui se tourne, c'est une page dans ma vie de lectrice qui se tourne, parce que Autre Monde, j'ai adoré cette saga. J'ai encore des trémolos dans la voix parce que je vous jure que ça me fait un effet. Si vous voulez, moi, Harry Potter, je n'ai attendu que le dernier tome. J'ai connu la saga très tard, c'était pas ma génération, j'ai pas grandi avec. Et Autre Monde, et ben Autre Monde, je l'ai commencé, j'avais 23 ans, j'en ai 33. Et ça me fait quelque chose, quoi. Ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Bref, comment vous parlez de ce tome? C'est un tome 7, donc je ne vais pas vous dire exactement ce qui s'y passe. Je vais simplement vous donner mes impressions. J'ai beaucoup aimé. On m'avait dit c'est pas le meilleur tome. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action, beaucoup de réflexion, beaucoup de révélations. Enfin, on connaît la raison, la cause de cette tempête. Depuis le début, on a une hypothèse en tête que les personnages nous ont donnée. Et l'hypothèse se tient, hein, complètement. Et en fait, non, c'est pas ça. Et c'est dans ce tome-ci qu'on l'apprend. Et je sais que Bérangère, ça l'a dérangé au début. Mais moi, ça a remis en cause tout ce que je croyais. Et ça a été une révélation incroyable. Et je me suis dit, mais oui, forcément, oui. Oui, c'est logique. Et puis après, il y a le combat final. Et il y a tout ce que ça implique, des sacrifices, un combat épique, des pertes. Et voilà. Alors, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que toute la saga, donc les 7 tomes, se déroule en 2 ans. On prend l'Alliance des Trois, qui est le premier tome, à Genèse, qui est le dernier tome. On a 2 ans qui se déroulent entre. Et il se passe énormément de choses. Et en fait, sur les dernières pages, les derniers chapitres, on accélère le temps et on fait passer, je crois, une année. À peu près une année, d'un seul coup, d'un seul. Et j'ai trouvé ça trop rapide. Je me suis dit, non, on peut pas avancer comme ça alors que ça fait déjà 2 ans qui se sont écoulés. Là, d'un seul coup, en quelques pages, on prend une année de plus. Mais après, je comprends, c'était nécessaire. C'était nécessaire pour nous donner un petit peu l'avancée des personnages, pour voir ce qu'ils allaient devenir et pour pas nous laisser sur une fin qui ne nous conviendrait pas. Et moi, j'ai aimé cette fin. J'ai aimé les dernières lignes m'ont bouleversée et j'ai aimé que l'auteur finalement ne nous donne pas une conclusion où
on nous dit ça et c'est comme ça et ça ne laisse pas place à l'imagination. La dernière phrase m'a serré le cœur et je me suis dit, elle est parfaite cette fin. Elle est parfaite. Voilà. Un rebondissement qui m'a ému, qui voilà, et puis bon, qui a enchaîné avec la suite, qui m'a fait pleurer, bref, vous avez compris, j'adore cette saga et je ne peux toujours que vous la conseiller. Maintenant tous les tomes sont parus en poche, donc si vous n'avez pas encore commencé cette saga, mais s'il vous plaît, faites connaissance avec Matt, Tobias et Ambre, et j'espère que vous accrocherez, parce que cette saga est très chère à mon cœur, et je suis trop contente, parce que je sais que Maxime Chatham va faire une suite. C'est pas vraiment une suite, mais l'année prochaine normalement sortira peut-être 2 tomes de Autre Monde, mais avec un nouveau personnage qu'on a vu dans Neverland en particulier. Et on va nous raconter une histoire qui s'est déroulée en parallèle de cette bataille. Et j'ai hâte de replonger dans Autre Monde, tout simplement. Et on va finir par quelque chose du Mexique. Vous le savez, je ne suis pas habituée à lire autre chose que des romans. Moi, mon truc, c'est vraiment la plongée dans un univers fantastique, et on m'a proposé ce livre, enfin je l'ai vu dans la masse critique Babelio, et revenant du Mexique je me suis dit ça fera pas de mal d'apprendre quelques autres petites choses du pays, donc je me suis lancée là-dedans. C'est une sorte de récit de voyage puisque l'auteur est allée plusieurs fois au Mexique, c'est un pays qu'elle adore et elle voulait faire partager un petit peu son expérience. C'est pas du tout un guide de voyage, on va pas vous donner les bonnes adresses où aller, les choses à faire, les choses à visiter, non, c'est plutôt un condensé de tout ce qu'il faut savoir du Mexique en abrégé. Donc on va vous parler de l'histoire, des coutumes, des traditions, de la nourriture, oui, des monuments, de la musique, des habitants, de la religion, des croyances, bref, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Mexique, sans vous taper un truc de 500 pages, non, en même pas 200 pages, on va vous expliquer ce qu'est le Mexique avec des jolies photos, des très belles photos illustrées, donc avec des photos sans doute de ses voyages ou pas. C'était une très bonne lecture, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai revu aussi des endroits que j'avais visités, donc ça c'était aussi très chouette parce que ça m'a fait revivre mon voyage. Et dans cette collection vous avez quelque chose de la Côte d'Ivoire, de la Corée du Sud, ce sont 2 autres parutions, donc je vous les conseille parce que pour le Mexique ça a été une chouette lecture que je lisais de temps à autre, comme ça je piochais des informations et c'était très chouette. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les anecdotes apportées par l'auteur, puisque ce n'est pas simplement on pose sur le papier tous les faits qu'on connaît du Mexique, c'est aussi l'expérience de l'auteur. Par exemple, lors d'un voyage, elle se plaignait de mal de dos, elle a demandé conseil au guide qui l'a envoyé voir un chaman, et donc elle vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé avec ce chaman. Voilà, c'est des petites expériences de vie qui peuvent apporter, enrichir, et c'était très chouette, donc je le vous conseille vraiment. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un des livres que je vous ai présentés vous fait envie, si vous l'avez lu, si vous voulez le lire. Dites-moi tout en commentaire, je vous répondrai rapidement. Oui, je pense répondre assez rapidement aux commentaires. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée de bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.